monsieur les ministres. Oui, très bien. On va faire la photo avec vous. Super. Par ici, s'il vous plaît. Ah oui. Nous, et puis, on a des planteurs par contre Guadeloupe. La bande des autres planteurs, c'est banane. Hein? Combien de bananes nous avons? 10 hectares. Oui. Alors, quand on a dit, à part moi ou par an, combien de tonnes nous avons? Ah, à peu près 90 tonnes. Alors, on a un autre confrère qui est à côté. Martinique aussi. Mon travail est très sérieux. Bon, combien d'hectares on est? 3 hectares. Ouais. Combien de bananes nous avons par mois ou bien par l'année? Ah, ça n'a pas varié parce que je finis sorti en l'aide des cyclonements en train de venir en production. Je ne peux pas déterminer. Voilà. Alors, tu as beaucoup de pertes ou bien. Ah, ouais, 80% de pertes. Ouais. Alors, vous autres qui êtes ministre dans tout ça, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a un soutien derrière ni ça qui nous? Nous le promesse, nous espérons que ça peut être traîné trop parce que là, ça peut traîner trop, nous quand on est mort, nous quand on est enterré nous. Et vous? Oui, nous pensons que le ministre là soutient nous et que nous attendons pour ça qui a fait ben nous, mais nous pensons et puis nous. Alors, quand vous faites l'association Martinique Guadeloupe, vous constatez, est-ce qu'on a dit que le prix de la peut augmenter du moins parce que ça. Ah oui, et puis bon, on est qui table, je pense que le prix a augmenté, et ça qui permet nous de redresser l'exploitation, ça qui permet nous investir, ça qui permet nous améliorer les conditions de travail nous aussi. Vous ne savez pas qui est bon par côté Guadeloupe? Non, moi c'est Martinique. Oui, côté. Dans le nord, au Lorrain. Oui. Ouais, moi c'est Marie. Sainte-Marie. Il y en a à côté l'autre. Oui. Tout à fait. Alors, là, il y a parlé de bananes bio. Oui. Quand on ça tout partout, bio. Et quand on s'est peut-être ça dans le même pied banane, il a sorti. Est-ce qu'on n'y a pas un style commercial de ça? Non, alors nous parlons de bananes équitables. Donc nous parlons de bananes que les nous produits, nous faisons attention à l'environnement. Nous protégeons ce qui est alentour nous. Nous protégeons la rivière, nous protégeons toute bagaille et nous ne pas mettre n'importe quoi. Nous ne pouvons pas faire des herbes encore. Nous avons fait des plantes de couverture, enfin, nous avons fait un lot de bagages qui permettent nous. Nous avons respecté le social et tout. Alors, qui veut dire que nous avons commencé à boire de l'eau la rivière à présent? Ah, c'est un bagage presque moi-même Gabriel. Combien d'hectares on est? Ben, nous avons 5 hectares, 3 hectares et demi de plantés actuellement. Alors, et puis tout ça qui passe à Moun Martinique, qui a dit féliment les 80% parti, et vous, et côté où, est-ce que ni même difficulté? Ah ben, à même côté nous, il n'y a pas 80% qui parti, c'est 100%. Donc, là, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de reprendre toute exploitation là. Donc, mettez en jachère en partie à surface là et gardez en partie pour nous faire en sorte de dernière production là pour l'année 2018 et 2019-2020 augmenter au fur et à mesure. Alors, vous mettez bananes équitable, le mot équitable, cadeau beaucoup de choses ou bien quoi penser ni monde qui respecte ça? Moi, tout ça, le mot équitable pour moi, c'est un mot qui est anti-janta, mais il est nécessaire. Parce que imaginez que là où sont les producteurs ou installés dans des zones extrêmement difficiles, ou ni montagne, ou pas ni de l'eau agricole, et qu'il faut faire face à l'eau charge, eh bien, équitable, c'est un mot qui est absolument indispensable. Parce qu'il faut nous avoir un revenu constant qui permet nous de faire face à toute charge que nous avons fait face. Alors, quoi dire revenu constant? Comme le ministre de la Santé, pense que pour mes saïtiens, ou quoi dire sans promesse qui peut être toujours? Ah ben, on sait, Annie Girardin, il a fait un travail extraordinaire sur la profession parce qu'il vient tout de suite, après ce qu'on a vu nous, et il fait des promesses et on a pensé que les promesses, de toute façon, il a fait en sorte de tenir parce qu'il est sur le terrain en permanence et on n'a pas qu'à oublier que c'est en ultramarine. Alors, pour d'autres producteurs, peut-être Guadeloupe qui parle là, Sounian, ben, vous dites, parce que pas qui boit au Guadeloupe. Ah ben, moi, en Sikapeste, dans le sud. Et ces producteurs-là, en cas de yo, en Salbitin, c'est nous qui travaillons. Nous qui travaillons pour faire en sorte que les producteurs aient un revenu constant, aient un revenu qui permette de faire face à la charge à yo. Ça, c'est un bitin qui est extrêmement important, c'est le revenu. Avant, il n'y a pas de cas de trouver mon, mais à présent, et puis la jeunesse à présent, est-ce que vous avez trouvé la jeunesse qui travaille en Babonon? C'est difficile de trouver jeunes qui travaillent, mais nous avons formé yo. Nous avons formé yo au RSMA. Nous avons fait un meilleur au lycée agricole et nous avons fait en sorte que yo peut venir dans l'agriculture. Que ce soit en tant qu'ouvrier agricole ou en tant qu'exploitant agricole. Parce qu'un père en qui ouvrier agricole, il a formé des gens pour venir exploitant agricole aussi. Eh bien, c'est bien, Mamedou, belle merci, belle continuation. Je rappelle que l'on est arrivé en bonne chance, la relève en manière bien.
Ah ben, on peut espérer que nous puissions passer l'année là ça bien, parce que l'année 2017 là, c'était une année catastrophique. 2018, 2019 et 2020, on peut espérer que nous puissions chance, nous puissions cyclone et que nous puissions venir assez banane qui table avec toute force là nous puissions. Alors nous quoi faire à de Marie Galante à Kaomoui, hein? Et puis nous quoi faire bébélé, nous pas qu'à faire concert spécialité si la fois de sur le salon de l'agriculture. Excusez-moi parce que ça fait longtemps que nous connaissons. Et qui chance à faire fonctionner ici donc. Ni 30 ans que nous présentons ici donc. Donc nous avons fait tout, nous avons fait sortir Marie Alain tous les produits de terroir. Alors, l'on constate, il n'y a pas que ça, ni sorbet de l'autre côté, hein, tout ça. Nous ni des grands, nous ni l'usine à main ici donc. Nous ni des beaux qui travaillent manuellement, qui fabriquent des bons sorbets, mais c'est typique local. Donc nous, alors, pendant que nous parlons, pas parler, attention à brûler quand même. Hein, parce... Non, ici donc, pas jamais ni zéro faute. Donc tout ça, nous avons fait. Nous quoi faire de façon que le client l'a toujours satisfait. C'est pour ça que nous avons toujours des bons retombées, parce que manger nous bons et nous agréables, nous gentils. Donc... Alors, il y a des agriculteurs qui viennent manger côté des autres. Il y a des gens qui ont attendu la boucle, dans le kit, on attend. Nous pas ni qu'agriculteurs qui viennent manger ici, nous ni le monde entier qui viennent manger. Sachez que quelque part que nous sommes ouverts, nous accessibles, nous ouverts, donc nous quoi pas le monde entier manger. Donc nous avons mangé un marché qui est bio, nous avons mangé qui est sain, et donc son marché qui nous quoi faire venir sortir de Marie Galante. Parce qu'il faut savoir que Marie Galante, que nous n'y des produits de terroir, jusqu'à présent nous épargnons de la chlordécone. Donc nous n'avons pas de problème de pesticides, nous n'avons pas de ce genre de problème là, ça à cause nous. Donc tout ça nous quoi représenter, c'est des produits bio. Alors, qui veut dire, j'attends les lombes, il n'y a pas de problème. Non, il y a un bitin qui est très important, c'est que nous, dans les fonds marins, nous quoi pêcher tout ça qu'il faut. Et dans les fonds marins aussi, il y a un bitin qui est très important, c'est que nous n'y ressources à la nature, nous n'y lombes là. Nous n'y soleil là aussi, parce que nous aussi, la plupart des bons qui sont ici, c'est des mariages en des vrais, hein, authentiques, des bons qui sont sortis capestés. Et puis les grands patrons même, nous tous sortis capestés. Donc, c'est le monde qui a envie de travailler. Là. On est en politique à flotter, là, c'est vrai. Là. Non, il pas serré. Là, il est presque bon, mais il peut tout à fait. Voilà. Oh, eh bien, vous avez un peu l'audé à tel moment là. Je vais vous donner un goût de la seule des choses, c'est ouais, pas passer à l'action. Quoi. Tu sers pour moi, s'il te plaît, avec une petite sauce. Regardez, mon l'autre côté, regardez ça. Oui, on va goûter ça. Même. À quand Marie Galante, il est là, bon. Même. Ah ouais. Marie Galante, c'est super. Faites-vous une goûter. Ce n'est pas de Martinique, hein, parce que nos Marie Galante, Martinique. Quoi. Eh bien, nous allons nous ensemble, quand il va dire. On va goûter un petit accra de Marie Galante. Goûtez ça. Pour dire moi j'ai suite bon ouais. Même ah, bon yon affaire bon Dieu Seigneur ah. Et nous ni ti bien là au côté aussi hein pas ah, mais et puis modération et puis modération voilà et puis voilà. Modération hein voilà ah. Marie Galante alors là c'est ah. Là pour nous produits locaux donc ni des fabriques de disquerie que nous portons Marie nous ni trois hommes Marie Galante nous fait venir spécialement nous ni peur là-bas nous ni la Guildif et nous ni Biel donc ça c'est Rome à nous donc ça sache que Marie Galante nous ni l'un des hommes le plus beau et le plus intelligent et le plus bien fait. C'est du 59. Ok, non problème. Et puis, nous connaissons mon nom qui donne l'étino, il n'y a pas de problème. Et puis, modération, alors, ça descend. Un petit passage à Tévléti. Alors, le grand-papa, l'inventeur de tout ça, c'est le grand patron là, oui. Martin. Martin, c'est un tonton, mais il y a un travail. Parce que les gars travaillent ici, il y a tellement, il n'y a pas de parler par personne. Même quand il y a un fort, il ne parle pas. Voilà. Est-ce que yeah. La question peut dire, c'est Yoka Mene Mali. Ah ben c'est bon. Eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous savez, à part Yoka Mene, vous savez, de toute façon, nous sommes en entreprise et nous sommes famille. Voilà. Donc, entreprise, bon, à présent, là, voilà. Monsieur Voyon de Baye descend alors là, il n'y a pas de travail. Oui. Vous savez, une entreprise est toujours qui fonctionne avec l'idée. Donc, nous ne pouvons pas arrêter au même stade parce que nous, nous n'y prochains. L'année prochaine, nous ne croyons pas bientôt, nous n'y quand en tout cas, ils vont concurrents à côté. En tout cas, nous avons un projet de voyer entreprise sans copie. Là, bien tout le monde. Ah oui, Marie Galante, c'est un bel petit pays. Des fois, Marie Galante, au charme de Marie Galante. On est obligé de retourner là. On est obligé de virer la voie qui est Marie Galante. C'est Marie Galante, c'est gentil. Parce qu'il faut dire aussi, dans le temps, c'était là où tu as trouvé les meilleurs angous, par côté Marie Galante. Oui, bon angous, bon ambi, tout bite, tout ça qui est bon, c'est Marie Galante que tu as trouvé. Bon bébé, bon chaudage, tout ça qui est bon. Et chaudage, là, c'est qui ça? Chaudage, c'est une sorte de
son soupe vert, ziyam, et madé, patate douce. Ah, yon de soupe à Congo. Oui, il y aura crié, enfin, il y aura crié ça côté nous chaudage. Voilà. Oui, oui, oui. Ah, c'est restant légumes qui étaient ou on y fait un mélange? Non, 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 à part restant légumes qui étaient, c'est bon légumes, on va trouver Marie-Galante même. Ziyam, ziyam, patate, et ni boudin là, pas, ni, qui n'a pas crié ça? Non, so, ou ni bébé de là, tout ça. Voilà, voilà, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. La chef, on y a intimidé devant la caméra. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ça va. À part rappeler. Il y a mal pour vous. Oui, 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 bien sûr. Mais bitez à bon. Bitez à bon, Marie-Galante. Eh bien, à Mayotte, on fait la transformation là sur ce stand. C'est les produits transformés. On a par exemple des épices et puis les confitures. Là, en épices, on a des clous de girofle, des bâtons de cannelle et la poudre. Et puis, on a aussi le citron Kombava qui n'est pas transformé, mais on le vend ici. Et on a des poivres mis dans des tubes. Les clous de girofle, des tisanes, on a des poivres verts et puis les confitures. Alors côté agriculture, vous avez quoi on a en légumes ou en plantes chez vous à Mayotte pour que les gens puissent connaître un peu? Ben, tout ce qu'on trouve dans les pays tropicaux, par exemple tout ce qui se trouve à La Réunion, aux Antilles, on a tous ces produits-là. Est-ce que vous avez ça en hectare ou bien c'est des petites parcelles quoi? Il y en a qui ont des petites parcelles, il y en a qui travaillent en hectares, comme moi je travaille dans 4 hectares et demi toute seule. Et il y en a qui ont juste des petites parcelles, il y en a qui ont une dizaine d'hectares, il y en a chacun à... Mais où il y a le plus de planteurs, comme on dit chez nous, dans quel côté, dans quelle région de Mayotte? C'est surtout au centre de l'île, dans la commune de Tsingoni, Wanganim, Tsangamouji, c'est là où il y a plus des agriculteurs, et la commune de Bandaba. Après, dans le Grand Nord, la terre est trop pauvre, le Grand Sud aussi, c'est très pauvre, donc tout se concentre au centre de l'île. Alors, vous sortez de quelle région? Moi, je travaille au centre aussi, dans la commune de Tsingoni. Ah, eh bien, pour les gens qui veulent voyager, il faut peut-être un peu vendre un peu Mayotte, parce que maintenant c'est française, alors il faut vendre un peu Mayotte. Eh bien, je peux leur dire de venir dans la commune de Tsingoni, c'est la commune la plus accueillante et la terre est très fertile. Ça fait chef là. Mais nous, nous avons un petit cocktail de la Martinique. Pourquoi expliquez-nous vite ce petit cocktail là, c'est quoi? Alors, c'est des blinix à la farine de banane avec de la guacamole et aussi en carpaccio de thon. Voilà. Je dis mon avocat, je ne peux pas comprendre ces avocats. C'est exactement ça, c'est avocat. Voilà. Bon, et bien là nous commençons par côté le grand chef, c'est Yannick. Ça fait Yannick. Mais nous là, Katchambé. Oui, nous là, Kametso Kafamba, et le président, les ministres. Parce que je dis, c'est la journée de la Martinique, donc nous à l'honneur. Donc, comme il se doit, nous avons un bel petit bail et bail. Alors, il faut dire que c'est toujours farine de banane, hein, parce qu'il y a madame qui devait être surpris, il y a des farines de banane. Ah bon, il n'y a pas de gluten Ah oui, c'est mon entrée surpris, parce que sans farine, déjà que la Martinique a découvert aussi, il faut déjà, Boca et nous, il y a l'homme qui ne connaît pas. Et puis, donc ici, déjà, c'est mon lance surpris de savoir que nous avons fait farine et puis banane. Ils ont surpris dit, ouais, des Martiniquais qui ont maîtrisé crêpe là à niveau tard aussi. Et ils ont surpris dit, ouais, collectif tard que nous nions. Et excellence de travail à nous faire. Mais notre travail a commencé là bientôt. Peut-être qu'il va faire un pain aussi, pain et puis farine de banane. Oui, ça a fait. Il a sûrement que les anciens ont fait avant nous. Farine de banane, farine de fruits à pain. Ça qui était belle autant l'amiral Robert, c'était en période qui était raide, mais c'était en période où nous étions gardés. Nous tenir et puis qui manière nous fait pays. Parce que les grands-parents, moi, même le parent, le patin, moi, tout le monde dit moi, nous devons faire tel bagaille comme ça, nous devons utiliser l'huile coco, hein, nous devons faire tel bagaille. Et à l'époque, ta, nous devons à la limite plus d'ouvent les patrimoines nous que aujourd'hui. Donc il faut nous réapproprier comme nous de ça qui est à nous. Mais qui m'a eu l'idée de retourner aux sources? Déjà, au départ, c'était en démarche. Les mots avec crêperia, nous essayons de faire en crêperie bretonne contre tout moulant. Et puis là, les mangas de tête, moi, en matin, m'ont dit non. Je n'ai trop de patrimoine culinaire pour m'en faire un bagaille qui n'est pas à moi. Donc nous essayons farine patate douce, nous essayons différentes farines et puis surtout nous mettons en avant patrimoine culinaire nous. C'est d'ailleurs que aujourd'hui nous n'ayons tinin l'amour et avocat dans crêpe nous.
Moun crié au scandale et moun qui a mangé, c'est-à-dire qui nous n'y en Belay, nous n'y en crêpe, nous n'y des noms dans ce Martinique et en même temps, nous avons fait appel à ça qui est vraiment authentique, culinaire nous. En petit déjeuner à l'époque, c'était un tinin mori avocat. Et là, au gardé, il y a Kadouk à présent, c'est ça qui est bon bacon. Donc, faut nous garder ça qui est à nous. Et en fin de compte, ça dans des marches. Moi, je suis un militant. Tout ça m'en fait, mon touloufeuille et puis en militantisme. Monter salarié, monter militant, monter chanté, monter militant, à présent mon restaurateur, sans restauration militant. Militant qui veut dire que moi les mettez la Martinique en avant. Moi les mettez les artisans en avant. Faut nous savoir que nous bons en Sanou Café, que les artisans martiniques est excellent, que les sportifs martiniques est excellent, que les intellectuels martiniques est excellent, que nous bons en politique, nous bons en lobaye. Donc nous avons essayé d'être au meilleur de Sanouka Contrôléa. Sanouka Contrôléa, c'est la crêpe martiniquaise. C'est nous qui ambassadeurs de la Martinique, même on peut dire de la Caraïbe, parce que dis-nous que des crêpes comme ça, nous qui représentent la Caraïbe, en même temps nous qui représentent un patrimoine africain, parce que dans le monde qui ne savent pas que crêpe là, c'est un patrimoine africain. Crêpe bretonne l'an ni 500 ans, crêpe africaine l'an ni 5000 ans avant la naissance du Christ. Donc nous n'y en patrimoine africain que nous qui réapproprié, qu'on nous dit. C'est bien, merci parce que c'est mon nom de Raphaël Haché qu'on tilili. Ah oui, crêpe qu'avant nous, qu'on vive de Gaulle. Et nous mettons en belle équipe, c'est une équipe familiale. Mon petit bonhomme moins, mon petit cousin moins, mon petit cousin moins. C'est un collectif familial, les parents. Alors, si moi je viens essayer de travailler pour moi, pas dans ça. Ah non, non mais oui, sous compétent, on y chance. Mais famille en tellement nombreux, il n'y a ça qui pas là. Il y, ouais. Eh bien, nous avons plus force et puis. Peut-être qu'on est les Antilles. Ah oui, rendez-vous dans des semaines, nous quand les foires d'Ilon. Nous avons beaucoup d'atouts. Et d'ailleurs, ce que nous faisons ici, ce que nous montrons ici, démontre que ces atouts-là sont à valoriser encore mieux que ça. Nous avons, beaucoup de choses ont été mises en place, mais il faut savoir que l'agriculture, c'est du vivant, ça évolue tous les jours, et tous les jours, nous avons besoin d'adaptation, tous les jours, nous avons besoin de revoir un peu les choses. Alors, la Chambre d'agriculture fait un gros travail au niveau de pour accompagner les agriculteurs. Nous n'avons pas toujours tous les moyens qu'il nous faut pour ça. Mais nous faisons avec ce que nous avons, nous travaillons sur l'adaptation de nos agricultures à tous les changements qui arrivent, changements climatiques. La demande des consommateurs, le souci des consommateurs d'avoir dans leurs assiettes d'autres types de produits. Qui soit où on ne retrouve pas des pesticides, en tout cas, dans les assiettes. Et ça, ce travail-là, nous l'avons commencé depuis très longtemps et nous continuons à le faire. Mais nous souhaitons aussi que les moyens soient mis en œuvre pour nous accompagner dans tout ça. Alors, certains producteurs nous ont demandé également de rappeler qu'il y a des producteurs qui sont âgés sur la Martinique, qui veulent prendre leur retraite, mais qui ne peuvent pas parce que ce qu'on va leur donner, c'est trop peu important. Et donc là aussi, nous avons attiré l'attention non seulement du président de la République, mais également des deux ministres qui sont passés tout à l'heure ici sur ce stand-là, sur ces problématiques-là. Et donc voilà. Bon, ceci dit, le salon, ce n'est pas non plus l'endroit où il faut revoir un peu toutes les difficultés. Ce que nous sommes venus ici, c'est fêter également, c'est montrer l'excellence, montrer ce que nous faisons. J'espère que depuis en tout cas 3 jours que le salon, ça fait le 4e jour du salon, nous avons eu de très bonnes sensations. Alors, tous les stands tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous présenter tous ceux qui nous accompagnent aussi sur l'espace commercial. Mais en tout cas, c'est le premier mot que je voulais vous annoncer. Michel Louis Boutrin, responsable transport, je pense que c'est un grand nom. Parce que les vacanciers qui ici qui ont envie savent qui s'est passé de l'autre côté pour la question de transport. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, nous pas en disant question de transport. Moi là, en tant que représentant, président, en disant l'Assemblée générale l'ODADOM, qui fête hier. Et puis aujourd'hui, je suis venu en les stands au salon de l'agriculture, puisque comme on savait, l'agriculture martiniquaise est très riche. C'est effectivement banane, mais c'est également bon rhum, également canne. Donc nous venons accompagner ces producteurs-là et nous venons porter un message au moment où vous regardez qu'en France, la France prie en ça, où nous avons des crises sanitaires qui mettent en cause qualité, ça nous a mangé, ni nécessité pour nous, Martinique,
dit exposer, ça nous a créé les savoir-faire, les saveurs des Martiniques, parce que nous n'y en pas de savoir-faire, mais il faut que nous venions pour exposer. Et nous avons exposé qui ça redit, hein? Ben, qu'on a, ouais. Nous avons exposé glace, nous avons exposé produits qu'on rompe. Tout ça nous a fait Martinique. La diversification qui nous parlait pendant des années, actuellement, il y a un sens, puisque nous avons développé un cacao qui est d'excellence, qui a fait qui unit des chocolats, des grands chocolatiers qui choisissent le cacao Martinique. Mais nous allons aller vers une autre niche qui café, puisque qu'on savent, café Arabica Typica qui sortit Martinique en 1781, café Tala, il choisi par les Japonais. Et en 2021, nous avons présenté café Tala, le café Arabica Typica de Martinique, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, l'on parle de café, pas qui boit pas côté Martinique, mais il y a des plantés, parce que il y a le monde peut-être quand même des côtés qui nous plantaient. Alors, café Tala a nécessité un des sols sains, des qualités agronomiques. Il a supposé qu'il n'y ait pas plus de 22 degrés. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille en altitude au-dessus de 600 mètres. Donc, ni trois communes seulement qui répondent à ces critères-là. C'est comme une Bellefontaine, pas Beauverrier. C'est comme une Monneveille, puis Fonsaint-Denis. Donc, nous, à peu près 80 agriculteurs, la CTMK a accompagné eux à travers un projet de, justement, de plantation. Nous avons passé 1000 plants café qu'ils ont plantés et ils ont poussé. Nous avons espéré qu'ils nous aient relevé le challenge-là pour la diversification agricole à travers le café Arabica Typica. Alors, parler de tout ça, je pense que c'est des petits jeunes, parce que c'est des jeunes qui ont des petits embauches pour faire, même côté café, il y a aussi des embauches qui fait. Nous espérons que ce n'est pas des petits embauches qu'on a dit, mais de véritables emplois. Parce que aujourd'hui, ni travail dans l'agriculture, à condition qu'ils vous forment. Et parallèlement à ça, nous mettons en place des formations. Nous avons un jeune ingénieur là qui est puis nous aujourd'hui, un jeune ingénieur martiniquais qui allait former Koy, Pablo le Costa Rica et puis le CIRAD. Donc, on a bien vu que ce n'est pas parole en l'air, c'est bail de concret, c'est M. Jonathan Louis Sidney qui est ici présent aujourd'hui. Nous disons, pas à peu, nous salons l'agriculture et nous la nouillons.